qui sait qui va avoir affaire à nous. En tout cas, c'est un combat assez stylé. Du 2v2, comme on l'aime. Ouais, le plan était vraiment ouf, hein, le plan de l'ours et de Kratos. Attendez, je vais allumer la lumière parce qu'il fait sombre. Ça va marcher, en vrai. Il le faut. Je ne voyais plus rien. Voilà, hein. Nuit à 17h, on aime bien. On aime beaucoup. Alors, on a toujours les deux derniers emplacements qui sont brisés. Faut vraiment que j'améliore la lance, les lames et la hache, parce que là j'ai plein de points d'XP. Je pense qu'on pourra avoir une dernière fois Sindri. Le Ragnarok gagne en puissance. Hé, regarde cette falaise. La secousse a dû être assez forte pour créer une corniche. Bonjour. Des hommes d'Odin. Ils viennent finir ce que les Valkyries ont commencé. Non, c'est pas ce que je voulais faire, frère. Calme-toi. Ah, mais y'a lui. Oh là là, lui, trop chiant. Qu'est-ce que là ? On l'a niveau 6 ? Oh là là, le contre sur la boule d'énergie qui permet de le sonner. On aime bien ça. Non mais calme-toi mon ref, j'ai pas le temps de respirer. Mais monsieur l'arbitre, enfin, je suis protégé. Bon, les combats deviennent vraiment hard là. On est à la fin du jeu, ça se sent. Hey, regarde cette falaise. La secousse a dû être assez forte pour créer une. Allez, corniche. On me les banne. Encore des hommes d'Odin. Ils viennent finir ce que les Valkyries ont commencé. Attention, à gauche. On me le banne. Oh les combos, man. Comme un poulet. Sacré poulet quand même. C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est stylé ça. Très bien, et je viens de l'utiliser. Je peux grimper pour rejoindre la porte. Ouais, le plan du dernier fight là avec Atreus son ours, c'était stylé, ouais. C'est dommage qu'il y ait eu un petit freeze apparemment pour certains. Ça va, ça dure que 10 secondes. Tant qu'on n'a pas les freezes de l'autre fois pour Pokémon. Mené de nombreuses guerres, pas vrai? Au pire, on continuera demain. Jamais eu d'alliés comme le Ragnarok à tes côtés? Si. Et la créature ne garantit pas notre victoire. C'est vrai. Pas besoin des escaliers magiques. Nullement besoin. Ça va et toi, Octopus? Allô? Ouais, il y aura un portage PC, je pense. Dans un petit moment, mais il y en aura un.
Je crois qu'il y avait eu un portage PC sur celui de 2018, 3 ans après la sortie, non? On va bien compter un an minimum, je pense. Si ça continue, tout le royaume va s'effondrer. Allô? Ah. Bonjour monsieur. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y a des météorites. Oh là 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 là. C'est un feu. Tu dois déjà le savoir. Derrière toi, regarde. Comment ça, je suis en feu là? Attention à droite. Stupé de celui-là là. Ok, d'un. Attention, à gauche. Ouais, mais à gauche, à droite, on comprend plus rien là. Derrière toi, regarde. Petite esquive. Bébé. Atreus, réviste à gauche et à droite. Oui. Ok, ça c'est bon. Les Enériards vont continuer à nous attaquer sans relâche. Il faut qu'on s'en aille. Il est sorti l'année dernière le portage PC de God of War 2018, je crois. Ouais, donc 3 ans après. Bon, à mon avis, il faudra compter un an minimum, hein. Pour celui-ci. Vu que maintenant, Sony a l'air un peu plus enclin à sortir ses jeux exclus sur PC. Je pense qu'il faudra 33 ans pour celui-là. Je sais, tu ne dis jamais rien, mais là, c'est différent. J'espérais que cette vie de batailles incessantes serait terminée. J'espérais que mon fils ne ferait jamais la guerre. Bonjour. Oh, bonjour. Ah. Oh, il a un shield. C'est bien la peine de se protéger. Dis donc, ton shield il casse les couilles un peu, non? Ah, c'est bon? Ok, il est tombé, on a eu de la chatte. On entraîne rien! On sent ce qu'ils sont pénibles! Le Ragnarok approche! Ils savent ce qui va arriver à Asgard! Ça, c'est plus pratique. Ça s'écouille un peu ça. Tu t'es fait bifroster. Ça se dit bifroster? On sait rien, Treus, c'est pas le moment là. On se bat. Allez, on lui éclate sa gueule. Vous comptez tomber ou je vais me faire enculer? Je vais me faire enculer. Annie de la vie. Ok, c'est bien ça qui marche. C'est bien la lance. Ça m'a rappelé Mdal en fait.
C'est le dernier. Tu t'es fait fister, peu à temps. Oui, Atreus est très étrange. Tiens, toi, je t'aime pas. Adieu. C'est cool que dans cet épisode, les ennemis soient plus diversifiés. Dans 2018, c'était presque tout le temps les mêmes. C'est vrai, c'est un peu plus varié dans celui-ci. Je l'avais déjà dit, ça, je suis d'accord. Un bon point. Je sais que nous faisons ce qui est juste. Il faut que le Ragnarok ait lieu. Le tribut que nous avons payé pour cette guerre est lourd. Il ne fera que s'alourdir. Ça en vaut la peine. Un très bon point pour Serpentard. Mes frères, comment était-ce ? Eh oui, j'ai fini par ne plus être d'aucune utilité à ce crétin de Var. Il l'a vraiment laissé ici en mode comme un malpropre. Le Ragnarok. Et il l'a laissé Mimir ici tout seul. Quel chien. Il semble que la guerre arrive enfin. Il y a moins de finish que le précédent. Alors il y en a plus. Je trouve qu'il y en a plus, mais parce qu'il y a plus d'ennemis. Parce que sinon il y a toujours un seul finisher par mob. Et ça c'est dommage. Ou à la rigueur, deux. Il y a toujours pas assez de finishers à mon goût. Mais bon, il y en a un peu plus que dans celui de 2018, moi je trouve. Alors, nous y voilà. Le début de la fin. La fin de Dain. T'aimes bien la Switch 7? Non, c'est de la merde. Un nouveau départ pour nous. Je préfère la Jaguar. Atreus. Je sais, j'ai simplement hâte de... Et la Wii de la foire fouille, là, j'ai oublié le nom. Les elfes, les nains. C'est de la merde la Switch. Zelda, Mario, Metroid, je déteste ça. C'est nul. Ils le doivent. Après tout ce qu'ils ont traversé, ils le doivent. C'est pas vrai. Non, mais en vrai, la Switch, c'est marrant, mais j'y pensais, mais j'ai pas d'affect particulier pour la Switch. J'en ai parce qu'il y a des bons jeux qui sont sortis dessus. Pas Breath of the Wild, parce que Breath of the Wild, c'est un jeu Wii U, rappelons-le. N'en déplaise à certains. Mais tu vois, sur Wii U, bah, il y avait un... C'est même pas la nostalgie qui me fait dire ça, hein, parce que la Wii U, ça date pas vraiment. Mais sur Wii U, il y avait une petite ambiance dans le menu, tu vois, avec la petite musique, les Mi, tout ça. Mais sur Switch, bah... Y'a rien. C'est vide. C'est un menu classique sans musique. Ouais, il y avait une petite ambiance avec la Wii U, mais je sais pas. Tu n'as rien besoin de faire à Midgard ? Je veux dire, tant qu'on le peut encore ? Freya et les autres sont encore en train de préparer. Il y avait un petit truc magique, quoi. Nous avons du temps. Même sur DS, oui, effectivement, ouais. Mais je sais pas, sur la Switch, il manque un petit truc, niveau ambiance, niveau identité. Après, ça reste une console sur laquelle j'aurais de très bons souvenirs, hein, parce que bon, Mario Odyssey, Metroid Dread, peut-être un jour Xenoblade, le 2 et le 3. Mais c'est vrai qu'il manque un petit truc dans les menus par rapport à la Wii U et la Wii. C'est dommage que Nintendo sont assez doués pour ça. Bah non, mais en vrai, y'a rien à explorer, hein, on va se casser. Ouais, je me suis complètement gouré de chemin en fait. C'est vrai, Xenoblade Cross, qui est toujours pas sur Switch au passage. Xenoblade Chronicles X, effectivement. Que j'ai beaucoup aimé, moi. Beaucoup moins que le 1. Notamment au niveau de... à cause de... comment était agencée l'aventure, sous forme de chapitre. À lancer. Mais j'ai bien aimé, moi, Xenoblade Chronicles X. Très bonne open world. Surtout la première zone et la zone toute blanche, là, avec les arbres. Sylvanum, je crois qu'elle s'appelait. Il jure sur le menu, lui. Ouais, t'as surtout rien compris, je pense. T'as surtout rien écouté. Mais c'est vrai que Xenoblade Chronicles X, c'est une sacrée perte, quand même. Je disparais. Qui suis ? Silence. C'est ça ! Je ne répondais pas à l'énigme. Ah. C'est le sort pas sur Switch et j'ai une grande c'est perte. Quand tu veux. La musique de Sylvanum de nuit, incroyable. Ah là, les connaisseurs. Les je suis bien d'accord. Ils sont sûrement rassemblés dans leur royaume respectif. En attendant qu'on sonne le Galarin, j'espérais que certains d'entre eux seraient déjà ici.
quand toutes les tours des royaumes s'ouvriront une à une, tu verras, petit. Odin n'en croira pas son œil. Non. Odin a une éternité pour se préparer. Même si Groal a dupé, il a entendu la vérité sous les traits de Tyr. Ne le sous-estimez pas. Excellent discours, mon frère. Très motivant. Nous nous sommes préparés en conséquence. Eh bien, que serait le Ragnarok sans Ragnarok ? Qui d'autre nous a rejoints ? Je vois les Valkyries. Elles sont même nées à nouveau. Matériel et dépourvu de toute corruption. Oh non, il y a des très bons jeux inédits sur Switch, quoi. Mais c'est sûr que c'est un peu la pute de la Wii U, quoi. Génial. C'est un peu la console qui a accueilli tous les jeux Wii U que personne n'avait fait. Mais que toi, en tant qu'acheteur de la Wii U, t'avais déjà fait, quoi. Nous aurons l'avantage dans les airs. Et avec l'armée de Hel en avant-garde. Et Sindri. C'est vrai que la Wii U, maintenant, bon, bah, il reste Xenoblade Chronicles X et Star Fox Zero. On va dire en gros jeux qui sont pas sortis sur Switch. Salut Couillotte. Après tout, dit comme ça, pourquoi est-ce qu'on s'inquiéterait ? Et les Zelda HD, évidemment. Comme il est bon de te voir si... vivant. Oh, oui. Je n'étais pas moi-même la dernière fois. Contente que tu sois sauf. Ma reine, l'Escaldemont a compris. C'est vrai que ça me manque, moi, tu sais, les menus de la Wii U, vraiment, il y avait vraiment une identité... Nous nous tenons prêtes. Avec les musiques et tout... propre au menu des Wii, des Wii U, c'était vraiment... Veuillez m'excuser. Oh. Ça me manque, moi. Ils sont pas fait chier pour la Switch, c'est sûr. Freya, as-tu trouvé comment quitter Asgard ? Si les tours permettent d'y entrer, espérons... Ah ouais, y a Paper Mario Color Splash aussi, qui s'est fait défoncer la gueule par les gens, mais moi, écoutez, je trouve pas si dégueu que ça, un Color Splash. J'en ai des bons souvenirs. Cet honneur te revient. C'est ton droit légitime. Et tes troupes te respectent. Et tu as déjà affronté cet ennemi par le passé. J'ai tenu son armée d'invasion en échec. Aujourd'hui, nous sommes les envahisseurs et nous assiégeons son territoire. Je veux notre général le plus expérimenté aux commandes. Je n'ai que faire des honneurs, des prophéties ou des champions. Seule la victoire m'importe. Freya. Je sais ce que je te demande. J'adore la Wii U. Tu peux, hein. Ça reste une bonne console. Malheureusement sous-exploitée, mais... Nous y voilà. Kratos, ta tente est sur la droite. Atreus, la tienne est à gauche. La mienne ? Tu ne penses pas qu'un jeune guerrier mérite son propre espace ? Si. Oh. Merci. Pense à ce dont nous avons parlé. Tu me donneras ta décision demain matin. Mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens... beaucoup des gens qui se foutent de la gueule de la Wii U, c'est les mêmes qui sucent les jeux Wii U qui font sur Switch. C'est toujours assez drôle de voir ça. Excuse-moi. Puis-je parler un instant à Mimir ? Ah, il y a un petit truc entre deux, là. J'ignore où nous serons demain, mais... si cette nuit est la dernière, j'aimerais ressentir autre chose que de la haine. Me conterais-tu une dernière histoire idiote ? Rien ne me ferait plus plaisir. À part peut-être une danse. Mais je crains d'avoir perdu le rythme. Sauf ton respect. Oui, non, mais je sais bien, oui. C'est pour ça que je disais qu'il y a un petit truc. C'était un euphémisme volontaire. Tu penses que ça va parler du fameux jeu Silksong au Game Award ? Bah, il y a des chances en vrai, hein. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Après les Game Awards, c'est souvent long pour pas grand chose. T'as une ou deux annonces de ouf, et encore de ouf. Je pense au trailer de Bayonetta 3 ou voilà. Mais c'est très rare. C'est souvent très long pour au final 3 minutes de kiff. On verra demain, hein. Je peux dormir ici ?
Ferme la tente derrière toi, non? Après, le gamin, il va participer à une guerre demain, donc je peux comprendre. Bien. Je vais te raconter une histoire. Ah ouais? Vas-y, Père Krator. Si jamais je m'endors, tu pourras la finir. Père Krator, vas-y. Bien sûr. Alors, c'est quand j'ai rencontré ta mère, je l'ai bien niqué. Ouais, mais les Game Awards partaient du principe qu'il faut pas trop en attendre, hein. Il était un vieil homme qui coupait du bois pour son village. Soir après soir, sur son dos, il portait les bûches et les distribuait à son peuple. Mais les bûches étaient lourdes et les années l'affaiblissaient. Puis un jour, il jeta les bûches parce qu'il n'était plus capable de les porter. Et il implora la mort de venir le prendre. Et quand la mort arriva, il... C'est une très bonne ambiance. Très bonne histoire pour s'endormir. La veille d'une guerre, j'aime beaucoup. Salut Anti. Ouais, l'évolution des persos est cool. Moi j'aime beaucoup la relation de Kratos et Atreus. Qui s'est clairement améliorée depuis l'épisode de 2018. Il est vieux quand même, Kratos. Bah, il a plus de 500 ans, ouais, c'est compliqué. Et pourtant, bah, il a une meilleure shape que nous tous. Donc, nourage. Ça aide d'être un dieu. Un petit rêve avec Faye. Faye était la seule à comprendre mon humour. Raffiné. Ah, ça, c'était une femme d'exception, mais à côté de la plaque en ce qui concerne les hommes. C'était une femme spéciale. Elle voulait protéger les gens. Moi aussi, j'ai un physique de dieu, Dionysos, mais chute. Ah. Elle a fait chacun de nos pas avant nous. Un petit gragas. Comme si elle était à nos côtés, pour veiller sur nous et nous ramener à la maison. Ça, mais Kratos, à chaque fois qu'il essaie de dormir, il se tape un putain de rêve. Bien chelou et stressant. Est-ce que ma requête te chagrine ? La mort fait partie de la vie, mon amour. Je pense pile l'inverse. Je souhaite seulement que tout soit prêt quand viendra mon heure. Ah, l'arbre qu'elle marque et qui coupe au début de l'épisode de 2018. Tout est lié. C'est ainsi quand on est mortel. Ça fait allusion. Je Tout à fait. Je suis heureuse que tu m'aides à me préparer.
Tu ne dis rien ? Je n'ai rien à dire. Eh bien, dis quelque chose. J'aime entendre ta voix. Ok. Un bûcher funéraire. Ce n'est pas ce que j'aurais choisi. Ah ? Ah, il faut faire glisser. Nouvelle interaction, ça rigole plus. Non, dans le doubleur d'Atreus de 2018 a fait d'autres voix aussi. On avait déjà eu un flashback où on le voyait plus petit. Notamment le fameux comme tu veux. Comme tu veux, 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 comme tu veux. L'hallucination du crack de l'Atreus d'aujourd'hui. Ceux qui nous sont chers. Qui se voyait petit. Pour l'éternité. Je te garderai près de moi. Charmant. Mon corps putréfié te serait d'un grand réconfort. Alors, je prenais des notes pour le tech. The God of War. N'as-tu pas toi-même tenté de choisir ta fin autrefois ? C'était différent. Les circonstances l'étaient, oui. Mais pas la finalité. C'est beau ce que tu dis, Faye. Par contre, ton opinion sur la mort est catastrophique. Hein. Tu te prépares pour un avenir lointain. Nous avons encore du temps devant nous. Je veux rendre meilleur un avenir dont je ne ferai pas partie. Il arrivera tôt ou tard. On la banne ? Ouais, on la banne. Pour toi. C'est malin. Et pour notre fils. C'est malin ça, ça te fait rire ? Ça sent la joke. Merde, comment on fait déjà ? Ah, on fait comme ça. Voilà. J'aurai une joke. Nos chemins ne se quitteront jamais, Kratos. Tu feras toujours partie de moi. Et je ferai toujours partie de toi. Quand tu ne seras plus là, cette partie de moi mourra à jamais. Faye, imaginez ton absence. Oh, non. La seule issue à l'amour, c'est le deuil. Je sais pas quand sortira le tech de God of War. Je dis jamais de date et parce qu'on sait jamais. Malgré l'inévitable. Je peux bifurquer sur un autre jeu au dernier moment. En tout cas, je confirme qu'il y en aura bien de tech dessus. Je suis inspiré. À moi les likes, à moi les vues. À moi l'argent. Quand le bûcher sera consumé et que tu auras rassemblé mes cendres, jette-les du plus. Ah, effectivement, c'est demain, Boupette. Effectivement, oui. C'est ma manager en fait, Boupette, elle a les infos. Je veux que tu m'en fasses la promesse. Ceux qu'on pleure le plus sont ceux qu'on aime le plus. Ouvre ton cœur à ce monde comme tu me l'as ouvert et tu finiras par trouver toutes les raisons de continuer à y vivre. C'est beau. Il y a des gens qui disent que les musiques de ce jeu sont nulles. C'est quand même assez compliqué. Hein. Tu me diras, l'autre fois on avait un mec qui défendait les graphismes de Pokémon Écarlate Violet. C'est ça qui est bien, c'est qu'il en faut de tout. On a des fous partout. Qu'est-ce qui se passe ? Il est temps.
te rejoins dehors, père. Général. Ouais, c'est vrai que je suis le premier à dire chacun ses goûts, mais c'est vrai que c'était assez énorme sur le dernier live de Pokémon, le mec qui nous disait que Pokémon Écarlate Violet, c'était pas si mal et que ça datait d'il y a 10 ans les graphismes et pas d'il y a 20 ans. Pour rappel, la PS4 sortie il y a 9 ans. Voilà, voilà. Il y a bientôt 9 ans du moins. Nous espérions livrer bataille à vos côtés une dernière fois, Marie. Il y a 8-9 ans, oui, je sais, ça nous rajeunit mais pas, mais c'était il y a 8-9 ans. En tant que sœur. Es-tu prêt? Oui. Je serai votre général. Ce sera un honneur de combattre à vos côtés, général. Oui, mon frère. Je serai à tes côtés. Alors, quels sont tes ordres? On pète des gueules! Allons au temple. Ah, au dommage. Il y a frayeur. Il y a le sanglier. Excusez-moi, monsieur. Hein, parce que vous vous transformez en sanglier, j'oublie votre nom. Hein. Ne le prenez pas mal. Les elfes. Enfin non, les elfes, ça c'est le camp de frayeur, j'ai rien dit. Tu me diras, c'était des elfes. Hein. Est-ce que je peux pas forger un petit peu... Ah si, là, non. Ah, ça y est, je peux forger. Hé, Général Kratos, j'ai quelque chose pour toi avant que tu partes en guerre. C'est la seule VF dont je suis pas fan, celle-ci. C'est peut-être pas de la faute de l'actrice, mais peut-être de la DA, mais c'est la seule VF sur laquelle j'ai du mal. Ce personnage. Ah oui, d'accord, mais j'aurais déjà pu l'améliorer avant. Ah! Oh, elle coupera du bois, mais les os encore mieux. C'est peut-être éventuellement la dernière fois où on peut améliorer nos armes, donc attention. Messieurs, dames, attention. Ah, ça, c'est du couteau bien énervé. Putain, je sais toujours pas comment vous annoncer que je vais faire des voix là dans le prochain Mario. Ah, je sais que vous aimez pas le Star Talent, mais c'est pas vous qui décidez, j'ai envie de dire. À côté, la lance d'Odin ressemble à un cure-dent. Désolé les refs, hein, mais faut vous y faire. Hein. Moi j'ai eu mon petit Shekos. On bat les couilles de vos réactions. Évidemment. Alors c'est quoi ça? L'éveil de givre peut être chargé instantanément en appuyant sur triangle, peu après une attaque avec la hache Léviathan. Ah ouais, je suis un peu déçu là. C'est pas nul, mais je m'attendais vraiment à... à mieux. Le coup de fouet ardent peut être... Bon d'accord, ok. Très bien, très bien. Ok, plus de lance. La lance Kalista, comme on l'appelle. Ah, donc je peux gagner une résistance au feu, à la glace ou au poison, genre, si je siphonne le truc. Ok, un coup en plus. Ah ça, je l'avais pas encore, ok. Ça va être la meilleure VF du monde si t'es dedans. Ah bah, je vous le confirme alors, hein, c'est la meilleure VF. Pas du tout. Ah mais c'est vrai qu'on diabolise le Star Talent. Moi je suis pas fan globalement, hein, dans des films comme Sonic par exemple. Mais les gens ont tendance à l'oublier, mais il y a eu du très bon Star Talent. Hein. Dubosc pour Marin dans Nemo, on en parlait l'autre fois. Alain Chabat dans Shrek. Pour Shrek. Ton armure est déjà prête. Allez va et gagne. Il y a le bon et le mauvais Star Talent quoi. Le bon Star Talent, ça va prendre des gens talentueux. Et le mauvais, ça va prendre des gens talentueux, mais pas talentueux, quoi. Donne-moi ces scories de Svartalfheim. Je m'en vais t'en faire quelque chose. Dédéra a dit que sortait du cratère.
pas pourquoi ça m'y fait penser. Terrible. Oh, redoutable. Eh oui, Jean Reno, Mufasa. Tout à fait. Tout à fait. On est d'humeur forgeante. Là, je peux améliorer aucune de mes pièces d'équipement. C'est triste. C'est très triste, ça. Je m'en veux. Bon. Tu veux papoter un peu ? Ouais, j'aimais bien ce shield. Je l'ai gardé du début à la fin, mais j'aimais bien jouer sur le contre. Ouais, pourquoi pas, parlons. Hein. As-tu vu Sindri ? Ouais. Il est pas en grande forme. Enfin, personne ne l'est. Il y a une nouvelle armure. Ouais, mais j'ai pas trop envie, moi, de me débarrasser de la mienne. Promets-moi que tu t'occuperas d'Odin. Quoi qu'il en coûte, promets-moi que tu ne laisseras pas ce chien s'en sortir comme ça. Compte sur moi. Parfait. Et au passage, si tu pouvais aussi en profiter pour lui arracher les baloches, n'hésite pas, j'adorerais m'en faire un collier. Alors on va se calmer. On va se calmer du cul. Putain, je peux pas l'améliorer, ça c'est chiant. Elle est un peu énervée hein, cette dame. Hein. Bon après ce plastron, je le trouve fort moi. Ah bah c'est le truc en écaille de dragon, oui. Ça on l'a eu dans le cratère je crois. Ah ouais, les blocages des parades renforcent progressivement la force et la défense. Ah ouais. C'est pas dégueu ça dis donc hein. Salut Volupsa. C'est pas dégueu ça quand même hein. Mais bon en fait le plastron est tellement fumé là au niveau de ce que ça rajoute. Ah ouais, puis saisir un ennemi étourdi confère un regain de santé. J'en ai besoin. J'en ai besoin. J'aime tant ça. Ça c'est les esquives in extremis, je garde. Et ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'était juste fumé au niveau de ce que ça ajoute. Augmente tous les dégâts de bouclier et les blocages ou parades. Eh, dis donc. Non. Allez, je me casse. Oh, tu comptes partir sans t'équiper, gros malin? C'est peut-être ta dernière occasion de le faire. Non mais c'est bon, on est équipé. Laisse-moi tranquille. Général. Père. Général. Général. Chef. Salut mon... Général. Salut mon pote. Pote à la compote. Il allait le dire hein, frayeur, il allait sortir un Ziva. Je suis venu sur ces terres pour fuir mon passé, vivre une nouvelle vie. Je ne peux plus me cacher. C'est le discours. Je ne souhaite pas cette guerre. Nous avons trop souffert. C'est le discours. La prophétie ne nous a pas menés ici. Et ne gagnera pas cette bataille. Les guerres sont remportées par ceux qui sont prêts à tout sacrifier. Si tel est le prix de la vengeance... I had a dream. Alors soit. J'ai fait un rêve dans lequel les elfes blancs et les elfes noirs marchaient main dans la main. Les royaumes ont souffert suffisamment. Quoi qu'il en coûte. Mais... Tout s'arrête. Mais tu me voles mon discours, laisse-moi tranquille. Si disparaître dans le feu de la gloire me permet de brûler Odin, alors j'y serai. Un sourire large et franc sur mon visage. Il va y avoir des morts. Pour Brock. Oh la musique!
Avengers, assemble! C'est la guerre, mon colonel! Oh, la musique était banger, là. Allez, on y va, c'est parti. Il y a les elfes et tout, là. Ouais, c'est le bordel. Ouais! Ouais! La tour de Muspelheim est tombée. Et si Odin s'en prend à Niflheim après? Ils essaient de bloquer le Ragnarok. Il faut stopper leur machine de guerre. Ah! Ça commence plutôt mal! Ouais, mais y'a Thor aussi, c'est cheaté! Attendez. Ingrid, on n'a pas le temps. Je sais. Attends. Ah, Ingrid? Ingrid ! Quoi ? On a du travail. Vous trois, suivez-le. Atreus. Freya, avec moi. Couvrez nos flancs. Aux machines de guerre. C'est la guerre ! Par ici ! Oh, le petit move là. Le petit move qui fait plaisir. Je peux les taper. Oh, la mise en scène, hein. Ah, il est disparu par contre. Ah non, mais les musiques sont très cool. Hein. Je savais que tu l'as pas. Oh, y'a Fenrir, le gros loup. Attention. Quel est le plan suivant, frère? Bonjour à tous, messieurs d'un. Ah ouais, y'a y a des dragons et tout. Il nous faut atteindre la faille derrière la tour d'Asgard. Sans le Ragnarok, c'est notre seule chance de franchir le mur. Faille de Rimkur? Tu disais que seul Surt savait s'en servir. Espérons que je me trompais. Adieu. Attention derrière, mon frère. Allez, on me les banne. Ça. Oh non, pas ça, pitié s'il vous plaît. Attention, frère, couvert de vie. Ça crève. Allez, on me le banne. Oh, ça m'a touché, ça. Quand est-ce qu'il arrive, Alduin? Très bientôt. Dans la scène post-crédit. J'aurais préféré un géant de feu destructeur de royaume, mais faute de mieux, je prendrai le désespoir. Bonjour. Je
double ban. Ah, faut que je saute. La musique est incroyable. Ah mais ils ont 36 000 Drake aussi là. Ah super. Oh là 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 là, pas ça. Ouvre l'œil et le bon Kratos. Ah j'ai mal, aidez-moi. Ça va, tout va bien. Ok, j'enlève rien. Allez, on va servir de lui pour lui casser sa gueule. Mais il y a encore Marrage d'activer. Calme-toi Marrage là, calme-toi. Depuis quand tu prends pas ça, toi? Ah, c'est un bordel, hein. Allez, ça, ça dégage. Ça, tu me le bannes aussi. Pendant ce temps, Odin. Là-haut. Elle est là-haut. Oh, la musique est ouf, hein. Serpent monde. Content de le voir, mais... Ah, ça y est, il est là. Suivi depuis Midgard. Curieux. Il occupera tort, au moins. Ah, quand même, le jeu a une putain d'air. Hein. Tellement stylé. Ah, quelqu'un disait justement que le serpent monde, il était pas très utile. Voilà. Vas-y, tape. Tape le décor, tape. Ça chie, Boulidana! Et merde, elle me l'a pris. Qu'est-ce qu'il me vise là? Oh, d'accord. Ça va, les refs? Oh le bordel! Continuez! Adieu! Au moins cette armée-là est déjà morte! C'est peine perdue! Les Aetheriens reviennent du Valhalla dès que nous les tuons! Le bas de Savonne à coup de tatane en flamme. Tout à fait. Oh là là! On peut dire adieu au renfort d'Alfheim! Il vient vraiment de s'assommer ce con! On dirait parti. Oublie ça, on verra plus tard. Le lien des Aenerias au Valhalla. Mes sœurs et moi devons le couper. Va. Toujours aucun signe d'Ena. Sindri ne nous lâchera pas. Nous devons croire en lui. Rallie ce que tu peux. Nous irons vers la tour de Svartalfheim. Bien joué. C'est moi, on a perdu Atreus. Non, non, vous pète, toi, viens. Il est là. Il te manquait? Ces backseats incessants te manquaient? Et quel est le flot? Comment va-t-on briser le mur? Encore cette mer, s'il vous plaît! Oh! Alors la situation est désespérée! Tu m'aides, mec? Ouais, c'est bon. Attention, frère! Tu es couvert de Bifrost! Marche bien ça, hein. Ah
Ah, ça fait du bien ça, hein. Mouda, 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 mouda. Ok, c'est Joanie. C'est le nouveau skin de ces Joanie. Si vous êtes gold. Qu'est-ce qu'il attend? Viens te battre. Le pilier sur lequel il est posé semble fragile. Laisse-moi réfléchir, Atreus. Cette Valkyrie les a suivis à travers la brèche du royaume. Bon dogo. Elle s'en sortira. On a des choses plus importantes à régler. Même si on arrive à briser le mur. C'est peut-être mieux ainsi. Mais mieux pour qui? Zelo. Le dogo, il lui a niqué sa race, hein. Un bon gros dogo qui ouvre des brèches. Ah, je pouvais zoomer sur le... l'elfe qui était censé être avec moi. Les nains sont là! Bien joué, Sindri. Ah, ce n'est que Sindri. Je sais, je suis en retard. Où est ton armée? Trop de nains sont déjà morts pour ça. Sindri, je sais. Odin les a forcés à construire ces machines de guerre. Et je suis ici pour les détruire. Avant de les détruire, nous devons les braquer sur la faille. Bien. Eux, ils vont casser les couilles, hein. Je te le dis. Pour les nains finir le travail des géants. Attention, frère, tu es couvert de bifrost. Oh, il est pas content. C'est un bon repas pour notre dogo. Il en avait marre de la pâtée. Il voulait se becter un petit drogon. Bon, ça va, c'est à peu près comme ça que j'imaginais la phase finale. Ah! Ah bah le voilà, lui. Il était temps qu'il pointe son nez. Pratique ça, salut Dimsy. Très pratique. C'est plus ou moins ce que tu voulais. Moula, Sindri, mon ref, qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en défimes une? Non. Ferme ton cœur, la douleur. Ferme ton cœur. Qui sont-ils? Des Midgardiens. Odin les héberge. Ils n'ont rien à faire là. Ils ne se battent pas. Sindri, il est devenu zinzin. Ouais. Ça change un Odin homme de perdre son frère. Sert comme d'un barrage. Pareil, j'aimais bien les relations entre Atreus, Kratos et Brock et Sindri. Les guerres sont gagnées. Tout s'est bien amélioré en fait. Par ceux qui sont prêts à tout. Sacrifier. Sauf le dégradé d'Atreus. Qu'est-ce que tu fais? Fils, écoute-moi bien. C'est le 14 juillet, Atreus. Je tire un feu d'artifice. Tu sens leur peine parce que c'est dans ta nature. Et tu ne dois jamais sacrifier cela, jamais, pour personne. Écoute-moi, j'avais tort, Atreus. J'avais tort. Le bruit du micro. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à leur souffrance. C'était le souhait de ta mère.
et c'est le mien. C'est ce que lui a dit Faye dans son rêve, c'est beau. Cette fois, nous serons meilleurs. Bon timing quand même, on va sûrement finir God of War Ragnarok, pile la veille des Game Awards. Mais... qu'est-ce qu'on peut faire ? D'ailleurs, j'ai voté Christopher Judge, moi, hein, pour meilleure performance. Je pense qu'on va gagner. Celui qui joue Kratos. Si on meurt pas avant. Pourquoi vous arrêtez ? Le Ragnarok est là. Nous avons enfin Odin à portée nous de... Nous arrêterons Odin. Mais nous ne voulons pas sacrifier des innocents. Nous passerons le mur à la faille de Rimtur. Avec quelle armée ? Atreus et moi irons seuls. C'est à 2h du mat, dans la nuit de jeudi à vendredi, les Game Awards. C'est possible. Sans track. Mais nous mourrons pour la justice, et non la vengeance. Ça, c'est bien dit. Cette arme peut-elle ouvrir la faille ? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Vous trois, mettez ces gens à l'abri, trouvez-leur un lieu sûr. Très bien, ce sera fait. Freya et moi ferons notre possible pour ralentir le Ragnarok. Il n'était pas ainsi avant. Essayez de lui faire entendre raison. Odin ne s'en tirera pas. S'il s'échappe, alors je te jure. Je sais. Ah ouais, la VF est très cool aussi, hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, cool. Non ! Non ! Protège-le ! Je me charge de ceux qui sont piégés, et je te retrouve à la faille ! Allez ! Pars, Atreus ! Le Ragnarok est arrivé. Ah, ça y est ! Ça y est. Sindri ! Fais attention et reste derrière moi ! Toi, et reste bien. Infanterie ! Je me disais quand est-ce qu'on va jouer à Atreus. Je me disais bien. Écoute, est-ce que je peux dire ? Tais-toi. Bats-toi, en silence. Encore ? Qui m'a cassé la gueule. Ouais, je me disais bien. Putain, chaque fois au pire moment. Ça va, oui. Winnie l'ourson. On va se battre au Winnie. Oh yes. Vous avez volé mon miel. Ça fait quoi ça? Ah, je peux pas. Oh les tatanes. Oh les patates qu'il met. Alors j'essaye la rage en Winnie, ça ne passe pas. J'ai vu que j'avais la rage mais ça ne passe pas. Oh, il l'a dégagé direct. C'était clairement ça.
que je te remercie ? Non ! Je veux juste... Je me fiche de ce que tu veux. Ça ne change rien. Il est beau, le Ragnarok. Il est très très beau. Convaincu qu'on n'avait pas à être ennemis. Calme-toi, Pierre Grognard, calme-toi, ça va bien se passer. Et ma mère avait raison depuis le début. Tu es un tueur exactement comme ton père et tu es là pour tous nous tuer. Non, juste Odin. Sindri, non. C'est une amie. Les amis n'amènent pas la fin du monde aux portes de leur maison, Loki. C'est vrai. C'est vrai. J'ai pris de mauvaises décisions. Ça t'arrive souvent, c'est une mauvaise excuse. Ce n'est pas une excuse. J'essaie juste de me rattraper. Est-ce que Skulder va bien? Tu as pu le voir? Pourquoi il irait mal? Qu'est-ce que tu racontes? Odin a choisi de sacrifier les Midgardiens. Il les a mis le long du mur pour tenter de nous arrêter, les sachant sans défense. Il meurt dans le seul but de nous ralentir. Pourquoi il ferait ça? Et dis-moi pourquoi je devrais te croire? Parce qu'il a raison. Il dit vrai. Ah ouais? Odin est ainsi. Et ce, depuis toujours. Mère, que fais-tu ici? Qu'est-ce que... Il sacrifiera n'importe qui, se mettra en travers de sa route. Eh, si même Sif nous défend... Gardien. Ton ami. Sif, la grande waifu grise. Notre famille, même toi et moi. J'espérais que ton père lui aurait tenu tête, mais à présent, c'est à toi de le faire. Mère, je ne comprends pas. Trude. Je n'ai jamais douté que tu deviendrais la plus grande des Valkyries que ces royaumes aient jamais connue. Mais pas pour lui. Est-ce que tu comprends? Il faut couper ses cheveux, hein. C'est un peu trop long, madame. Vous allez vous prendre les pieds dedans, c'est pas pratique. Mais notre famille... J'avais oublié Thor, j'avais oublié ce détail aussi. Nous pourrons en être une. Une vraie famille. Ce qu'il fait est mal. Ah, c'est le Link de Skyrim. Il a dit que si on ne bougeait pas, tout irait bien. Qu'on lui devait bien ça. Tu ne lui dois pas ta mort. Sans blague. Peut-être que Sif a peur d'être enfermé en haut d'une tour, c'est vrai. Père ne la laissera pas atteindre grand-père. Alors vas-y aussi. C'est au cas où, quoi. Toi, il t'écoutera. Elle prend des précautions. Es-tu prêt à aller retrouver tes semblables? Oui. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Enfin. Ça donne envie de chier les arcs-en-ciel, tout ça. Martelé. Oh. Martelé. Oh là là, la résistance de la gâchette de la DualSense, c'est incroyable. Est-ce que c'est que le progrès quand même? Oula. Beau travail, fils. C'est bien. Enchanté. C'était un petit peu gênant du coup. Hein. Je me demandais la première rencontre entre Kratos et Trude. Bon, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Qui est la fille? Bonjour, Trude Torse de Tyr. Torse de Tyr? C'est mon ami. Qui vient?
Bonjour monsieur. Et on fait tourner les serviettes. Arrêtez de parler sinon, non? Ah, ça l'a pas arrêté ça. J'ai entendu, je pensais avoir entendu un R3. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le Ragnarok devait nous aider? Cette créature est inachevée. Ce qu'il en reste est incomplet et ne peut tenir sa promesse. Oh, je vais crever là. Attention à droite. Ok, ça c'est dead. On joue poussi. Ouais, je t'ai vu toi, je t'ai vu. C'est pratique cette lance quand même, hein. Hé, où est passé Sindri? Il a joué son rôle. Le reste dépend de nous. Oh là là, les dégâts. On est mal placé, Jackson. Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Elle me casse les couilles. Il y en a partout. Ok, un de moins. Faut que je tue les cras, là. Voilà, on va pouvoir se battre normalement. Allez. Attention. Attention, frère. Tu es couvert de vitrage. Ah, il y a une bonne ambiance là. Hein. La musique est ouf. Il se passait quoi avec la musique? Ah, il y a eu un souci? Oh non, putain, pas toi. Oh, il est chiant. Ok, elle est morte. Ah non, pas encore. Derrière toi. Ouh là là, l'esquive. J'ai eu très très chaud là. Salut Malo. Ah. Et merde. Ça damage, bro. Oh, attendez, attendez, il y a un R3 là. Ça me redonne de la vie. Non, ne me le casse pas, s'il te plaît. Laisse-moi récupérer ma vie. Oh là là, la petite reprise. Est-ce l'équivalent du palais roux de merde de God of War? À peu près, ouais. Après, je pense que l'ennemi que je déteste le plus dans God of War, c'est celui qui t'aveugle. L'elfe qui t'aveugle, là. Qu'est-ce que c'est casse-couille? Ah, bonjour. Attention.
Ah mais calme-toi, t'as vu que c'était la baston? Vous couvriez, maintenant! Ah ouais d'accord. J'étais fait vite poster. Ça se dit vite poster. Oui, tu l'as déjà dit trois fois cette phrase Atreus, calme-toi, ça va bien se passer. Impressionnant. Impressionnant. Bonjour à tous. Sur ta gauche. Toute l'XP qu'on se fait. Dommage que ce soit la fin du jeu. Mimir en mode nice shot. Le spectateur. Oh, la musique s'est arrêtée direct. Ça sent tort. Ça sent tort. Le grand pavillon. Thor va arriver, je le sens. Ça sent le mini-boss là. Il n'a pas voulu m'écouter. Pas notre plus grand problème. Mais je pourrais. Pars avec Atreus et le masque, ne vous retournez pas. Mon fils te fait confiance. Alors, moi aussi. Attends. Ah. J'en ai plus qu'assez de toi et de ton fils. Est-ce que ça y est, c'est le combat final contre Thor? Avant Odin? On a suffisamment joué, toi et moi. Et cette fois, j'ai la permission de te tuer. Aise. Ce n'est pas nécessaire. Détrompe-toi. C'est ce que nous sommes. C'est tout. Ça ne suffira pas. Non, le petit est convaincu que t'as changé. Prouve-le, mets fin à tout ça. Assez bavassé. Oh, la rédemption de Thor, j'y crois moyen, je t'avoue. J'y crois moyen, je t'avoue. Je peux continuer. What? Ah, faut esquiver en arrière, ok. Ce que tu es, tu peux choisir. Vous mourrez tous. Ouais, le mec résiste à ma rage partielle, on aura tout eu. On me le banne. Ça sent la mise en scène de ouf là. Réfléchis par toi-même. Ta famille a besoin de toi. Oh les tatanes. Ah, ça c'est pour les mecs, les grosses couilles en rhodium, ça. Ça c'est un combat de chat, ça. Ah, c'est con, ça. Ça c'est très très con, Kratos. J'aimerais trop jouer avec Mjolnir, juste 5 minutes. Ah, je suis con. Ça va faire mal. Ça va faire mal, ça. Ah, il a bien joué là. Ah oui, d'accord. Mieux vaut esquiver hein, plutôt que se protéger là. Mais je n'enlève rien, bonhomme là. Ouais, ok, il faut esquiver en arrière en fait. Ah,
Il s'est mis dans l'électricité, hein. Ok, la petite esquive à la baïonnette. Ouh, c'était très très chaud. Ah. Oh, Randy Orton. Oh. Ah non, j'y ai cru. J'ai cru qu'il allait nous faire une Captain America là. Call an ambulance. But not for me, bro. Ah bah si, pour moi. Eh, au moins on a le checkpoint là. On va revenir à ce moment du combat. Ok, c'est bon. Alors attention à ça. On va appeler une ambulance. Mais pas pour moi, Thor, t'inquiète. On va te faire du mal, Thor. Garde dans ta tête. Tu veux la jouer distance, tu veux la jouer distance. Il a failli te convaincre. Il m'a fait croire que les choses pouvaient changer. Ça doit faire mal, mon frère. Ouais, ça fait un peu mal, mec. Thor, écoute-moi, ce que tu as à dire ne m'intéresse pas. Ça grogne. C'est dangereux d'utiliser ces runes-là parce qu'en fait il y a des éclairs qui tombent en continu là. Ah merde, ça fait mal ça. Là, c'est un bordel, hein. Oh, j'étais à deux doigts de pouvoir utiliser la jauge en bas là. Bah, je suis protégé, monsieur Harvey, foutez ma gueule. C'est ma miniature. Hey Kratos, dis-moi que tu peux prendre Mjolnir. Je peux savoir ce que tu attends. Ta fille et mon fils sont amis. Si tu lui fais du mal... Ouais, il était cool le plan, hein. Entre la hache et le marteau. Je n'en fais pas. Ah, GGS tuto. Allez, je vais appeler ton ambulance. Tu as oublié ce que j'ai fait, non ? Mais que vas-tu faire maintenant ? On changera pas. Nous sommes des destructeurs. Plus maintenant. C'est terminé. Pour le bien de nos enfants, nous devons être meilleurs. On tue pas Thor, allons bon. Pourquoi n'est-il pas mort? Vous discutez? Qui t'a demandé de faire la causette? Tu ne parles pas.
Tu ne penses pas, je pense, tu agis. Il va lui en mettre une. Ça n'a pourtant rien de compliqué. Défonce-le. Sif savait qui tu étais. Mais je refusais de le voir. Que se passe-t-il? Tu es malade? Je suis ton père. Prends ce marteau et tue qui je t'ordonne de tuer. Non. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Trud, tout est de leur faute. Prends Mjolnir, Trud. Vite. À nous, à notre famille. Ah. On n'est jamais si bien servi par soi-même. L'aîné, votre propre fils, votre petite fille. Pourquoi? Trud s'en sortira. Je l'ai sauvé. Mec, j'ai buté Zeus. Tu l'as retourné contre moi. Tu les as tous retournés contre moi. Bon. Voyons voir ce que tu donnes. Oh là là, mais ça c'est chaud ça. Non, par pitié, vous pouvez tout arrêter. Rends-moi mon masque. Oui, bien sûr. Parce qu'on sait tous qu'on peut te faire confiance. Oh, j'aurais dû me protéger. Viens chez moi. J'ai cru qu'il disait viens chez moi en mode il m'invite. Je sais c'est pas le moment mon ref. C'est quoi ça? Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula la la la, qu'est-ce que cette attaque encore là? Ah, il le fait deux fois maintenant, c'est nouveau ça. Il est lent. Tu m'en diras les nouvelles de ça, tiens. Ça chie, vous les dana. Cette attaque ne me plaît guère quand même, hein, le gros laser là. Oh, j'ai eu chaud là. Mais. Oh merde. Je refuse que ça se termine ainsi. Et ça va se terminer ainsi. Oh non, j'ai pas contré, je suis deg. Bon, par contre, me tuez pas Kratos, s'il vous plaît, hein, parce que là. Ouais, ça sent la deuxième phase, on est d'accord. As-tu eu ce que tu voulais?
Ton plan était-il vraiment meilleur que le mien? J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais. Non. Je suis ton ex. Presque. Tu es parti avec les enfants? Tu vas le payer. Croyais-tu être le seul à pouvoir lancer un sort d'obédience? J'ai passé des hivers entiers. Par contre, elle me caisse pas, là, rassurez-moi. Imaginez ce que j'allais te dire. Quand je pourrai enfin te regarder et rendre ton dernier souffle. Ne me caisse pas, s'il te plaît. Mais maintenant, je réalise qu'il n'y a qu'une seule chose que tu dois savoir. Tu n'as plus aucune emprise sur moi. Oh, wow. Oh, c'est ma chère Frigg. J'avais oublié à quel point les ailes t'allaient bien. Elle est mignonne comme ça, ouais. Oh, mon époux. Tu as toujours eu soif de connaissances. Eh bien, je vais t'apprendre ce que cela fait de tout perdre. Prosterne-toi devant ta reine. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, tu le sais. Il ment. Tu n'as jamais aimé personne. Laissez-moi jouer Kratos, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Le KDA qui va en prendre un coup. Mais ouais, elle va me voler un kill. Freya ? Attends, on va se battre en 1v1 contre Odin avec Atreus, ce serait incroyable. Mets-le, Atreus. Tu auras la peau toute verte, tu vas voir. Tu pourras sortir des gatlines de tes poches. Tu as réussi, Loki. Non. Alors Céline, fais très attention, Jojo. Non. Masque l'écran. Tout ça n'a plus d'importance. Ton heure est venue, Loki. Groa a voulu me cacher ton existence. Atreus, il va nous lâcher des splendides. Champion des Jotnar. Lui seul peut revêtir le masque. Lui seul peut contempler l'essence de la création. Découvrir les secrets de la vie et de la mort, mettre fin aux doutes, à la confusion. Tu es né pour ça. Mets le masque, Loki. Vas-y. Pose-lui la question. Attends, mais Thor est vraiment dead du coup? C'est triste. Moi, je pense que Trude va revenir. Le choix te revient, mon fils. J'ai confiance en toi. Trude va revenir avec Mjolnir. Elle va lui casser sa gueule. Et elle va nous casser. Alors Atreus, tu choisis quel papa? Le beau papa ou le vrai papa? Non! 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 Pourquoi as-tu fait ça? Après tous ces efforts, tu as choisi de tout gâcher! Non! Bien joué Atreus! Ah. Comme tu à l'attaque. Tu attends cela depuis longtemps, hein? N'est-ce pas, Frigg? Moi aussi. Il est trop tard. Je te mets tout dans la gueule. Voler. Et il m'envoie ses corbacs. C'est quoi ça? Ah d'accord. Ouais, j'ai eu le bon réflexe je pense. La boule de la mort de Freezer c'est pas pour moi, c'est pas mon délire. Mais... Monsieur l'arbitre il esquive tout le temps, il est trop chiant. Oh là 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 là, petit contre. Oh je suis mais... un peu trop tôt je pense. Ah! 3 contre 1, hein? Ne m'oublie pas, emplumé. Comment m'as-tu appelé?
Ça, c'est pour grand. Mais qu'est-ce que... Aidez-moi les mecs, non? Au pire. Attention à gauche. Oh c'est, oh c'est chaud, oh là là l'enchaînement, ah ouais, ah c'est très très chaud hein. Ouais, c'est peut-être le boss final, non? Se disait-il. Mais ça finit quand? Ça finit quand? Oh de la vie! Merci monsieur l'arbitre, il était temps! Imagine une passe froid. Je rigole, mais imagine quand même. Oh le bordel! Allez mon Kratos! Ah, tu as tout gâché. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. Tout ce pour quoi j'ai tué. Je ne voulais que des réponses. Oh mais les... Sacré personnage là. Eh hey, y'a de la vie là-bas. Non mais tirez sur les bouboules les gars. Tirez sur les bouboules les gars, on est mort. Ils sont cons. En tout cas, le boss fight est cool. C'est sympathique. Bon, on aura passé toute la première phase et la moitié de la deuxième à... sans crever, c'est déjà ça. Oh mais c'est trop chiant, monsieur l'arbitre. Ah. Vas-y les gars, tapez hein, si vous voulez, c'est parti hein. On y va hein. Oh, y a du poison, y a de la glace, c'est un bordel. Hein. Et tout ça pour quoi? Réponds-moi, Loki. Tout ça pour quoi? Utilise tes flèches. Ok, voilà, il était temps. Kratos, esquive s'il te plaît, mon pote. Quoi? Oh la vache. Il est pas content. Ah enfin un coup normal, c'est bon. Petit backstab. Allez, on y est là, c'est bon, on y est. Utilise tes flèches. Je l'ai eu. Oh le bordel. Allez, c'est bon, il est dead.
Non, ce sont comme de Infinity War contre Thanos. Incroyable. C'était notre chance, Loki. J'aurais pu obtenir mes réponses. J'aurais pu connaître la vérité. Tu m'as tout arraché. J'aurais pu tout arranger. Nous aurions pu parfaire les 9 royaumes. Vous vous fichez. Le bon 3v1. Ouais, j'avoue, c'est pas très. Tu as tout détruit. Les équitables. Mon foyer, ma famille, mon royaume. C'est vous qui avez fait ça. C'était vos choix. Vous avez tué votre fils. Non, tu te trompes. Je n'ai pas eu le choix. On a toujours le choix. Sauf dans Pokémon Violet et Écarlate. Vous préférez partir ou vous en allez? Vous devez arrêter. Choisissez d'être meilleur. Non, je ne peux pas. Je dois savoir ce qui se passe ensuite. T'approches pas trop de lui, Loki, j'ai pas confiance. Je ne m'arrêterai jamais. Pourquoi avez-vous dit ça? Adieu. Sofna. Apfra. Tessou. Sofna. Esan. Je connais cette théorie, oui. Sofna. 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 Le roi est mort. Que va-t-on faire de lui? Bah, on le laisse pourrir ici, au pire c'est pas grave. On envoie la bille dans le vide. Je t'ai promis que le choix entre la vie et la mort t'appartiendrait toujours. Elle va le tuer. S'il te plaît. J'attends ce moment depuis tant d'années. Motus. Allez, écrase-lui la gueule. Mais maintenant qu'il est arrivé. Je n'en ai pas besoin pour me reconstruire. Nous avons mis fin à sa folie. C'est tout ce qui compte. Merci. Merci, Sindri. Voilà ce qui se passe ensuite. Au moins un qui suit. Oh, le KS en bonne et due forme, quoi. C'est le Ragnarok. Il est là. Je l'avais oublié, ce détail aussi, oui. Je me disais, bon bah Thor et Odin out. Mais il reste un petit détail quoi. On doit y aller. Allez où, mon juste? Vous cherchez une sortie? Comment? C'est un truc de géant. Allez, suivez-moi. Faites vite. Tu dois y aller. Freya! Il est temps. Ça fait beaucoup de morts quand même. Etrude alors? N'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. Mais ton destin t'appartient. Suis-le. Et tu arriveras exactement où tu dois être. Maman. Il revient à lui. Réveille-toi, Atreus. Réveille-toi. Contente que tu sois sain et sauf. Oui. Où est mon père? Quelque part ici, dans le bois. Il sera content de te voir.
Mais du coup, Trude est décédé. Ce serait dommage. Après sa rédemption. Merci, Eir. Ragnarok, trophée gold obtenu. Merci beaucoup. Affronter le père de tout. Je suis le nouveau dieu d'Asgard. Bonjour à tous. Je suppose qu'on ne peut pas aller là. Il faut que je trouve mon père. Oui, je sais, putain. Même quand il est tout seul, il backseat, quoi. Il se parle à lui-même. Il est insupportable. Je suis le nouveau Odin. D'ailleurs, je pense que s'ils avaient fait 3 épisodes comme c'était prévu à la base, je pense que l'antagoniste principal de cet épisode, ça aurait été Thor, et le troisième, bah, Odin. Mais du coup, ils ont fait 2 épisodes. Et tant mieux, parce que c'est vrai que, bon, bah, je pense que 3, ça aurait fait un peu trop, hein. Clairement. Maman, arrête, je vais bien. Silence. Trude. Ah, ils sont là. Loki, qui part sur autre chose pour le prochain God of War. Vous pouvez pas savoir, En Égypte, je suis désolé. Hein, c'est un peu supposition. Thor était... Il a fait... de son mieux, vous savez. Ouais, ça aurait été trop, surtout avec le même gameplay. Assez parlé de nous. C'est exactement ce que je pense. Va retrouver ton père. À plus tard, Loki. Prends soin de toi. Je pense que 2 épisodes, c'est bien. Mais c'est vrai que... plus le temps passait, plus je me disais... Enfin, tu sais, au début, j'étais déçu de pas avoir 3 épisodes. Mais plus le temps a passé, plus je me suis dit, ouais, mieux vaut seulement 2 épisodes. Parce que cet épisode est bien, mais un petit peu fainéant sur certains points. Et je pense que 3 ça aurait fait trop. Ça serait fait sentir un petit peu le ras-le-bol. Ah, Huggins s'en est sorti. Tant mieux pour lui. Là, c'était sympa. Ah, et si vous pouviez apporter ce bois à la tente de Brandon. Skulder ? Ah, Loki ! Tiens ! Content de voir que tu m'as pas oublié malgré le coup à la tête. T'as bien pris un coup à la tête. Tout s'est passé tellement vite, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, bref. Ah, je suis content de te voir. Oui, moi aussi. On dirait que tu as trouvé de quoi t'occuper. Oh, ça me fait plaisir d'aider les gens. On aura bientôt des couvertures pour tout le monde, et les loups de ton ami nous aident pour la chasse. On devrait pouvoir nourrir toutes les bouches. Sans blague. Ah, et merci pour tout. On serait même plus de ce monde sans toi et tes amis. Ouais, peut-être. Mais... j'aurais aimé qu'on sauve plus de gens que ça. Loki, c'est déjà bien. Merci, Skulder. Prends soin de toi, d'accord ? Eh, tu me connais. La conversation pas du tout naturelle. Ils sont en reculant, en faisant un petit moonwalk. Mais pour rappel, Cory Barlog voulait faire un God of War en Égypte. Hein. À la base, God of War 2018, il était censé être en Égypte. Hein. Ah, le voilà. Un verre de plus pour le petit. Skål. Rien à gorger, rien. Elle est pour toi. C'est grâce à vous que nous sommes arrivés jusqu'ici. Et grâce au sacrifice de Freyr. C'est vrai. On était justement en train d'échanger nos propres histoires sur Freyr. Bien, bien. Où en étais-je? Ah. Quand nous nous sommes rencontrés, je m'attendais à voir un guerrier. Un stratège. Un chef naturel. La légende qui précédait l'homme. Mais l'homme lui-même était... un gros branleur. Bien différent. Tu peux le dire. Et pourtant, il m'a convaincu. Il était tellement chaleureux. Qu'il ait été si séduisant a probablement aidé. C'est vrai. Et il était incroyablement charmant. Ça suffit. Arrêtez. Vous allez encore me faire pleurer. Désolé. Je dois aller trouver mon père. Fais attention à toi. Oui, il y aura d'autres God of War, hein. Mais je pense qu'il va falloir attendre un petit moment, un petit peu comme entre... c'était quoi, c'était God of War Ascension ? Ou le 3, qui est sorti en dernier, avant l'épisode de 2018. Ce qui s'est écoulé pas mal d'années entre le dernier et celui de 2018. Mais oui, hein, clairement il y en aura d'autres. Ouais, c'était Ascension, un deck qui disent le 3 et d'autres Ascension, les gars. C'était son choix. Je ne pouvais pas l'en empêcher. Il nous a tous sauvés. Le 3. Je crois qu'il s'est écoulé pas mal d'années entre le 3 et 2018. La famille que je pensais avoir m'a été enlevée peu à peu.
Mais je trouve le réconfort dans la famille que j'ai choisie. Ascension 2013. Ouais, donc c'était bien celui-là le dernier, c'était Ascension. Ouais, donc quand même, hein. C'est coulé pas mal de temps, hein. Tu es un formidable guerrier. Mais par-dessus tout, tu as un grand cœur. Et les épreuves que tu as traversées n'y ont rien changé. Je suis très fière. Je parlais du dernier sorti chronologiquement, pas au niveau du lore. Merci pour tout. Il faut que je trouve mon père. Vas-y. Bah donc Ascension, c'était 2013. Atreus, oh, tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Content de te voir aussi, Mimir. Écoute, je voulais te remercier. Oh, tu t'attendais à quoi de la part de l'homme le plus intelligent qui soit? Tu n'es pas juste intelligent. Tu m'as écouté. Tu m'as guidé. Et, eh bien, tu es comme un deuxième père pour moi. Petit... Non. J'ai c'est besoin beau. Que tu le saches. Je c'est tiens beau. Énormément ça m'émeut. Ça m'émeut. Je t'aime aussi, petit frère. À plus tard, Mimir. Il est bon de te voir ici, Atreus. Toi aussi, ils disent Vini. Ouais, non, mais jamais de la vie, ils arrêteront deux fois. Hein. Là, ils ont construit trop de trucs. Depuis le premier, et là, avec ces deux épisodes... Puis Sony vont faire « Ah, vous voulez arrêter God of War ?»« Ah, vous voulez arrêter God of War ?» Mais non, non, ça va pas se passer comme ça, non, non, non. Et on est bien ici, hein. Aucun bruit. Donc on va peut-être attendre un petit moment, mais... Tu as été brave aujourd'hui, mon grand. Je suis fière de toi. Non, mais j'imagine bien un petit God of War en Égypte. Ou même s'ils reviennent en Grèce, ou j'en sais rien, ils seront capables de nous faire un truc cool. Allez, à moi. Qui sait, hein? Est-ce que tu peux conclure avec elle, Atreus, s'il te plaît? Est-ce que tu peux enfin lui avouer? J'arriverai à te surprendre. Oh, c'est déjà fait. Non, puis là, y a une nouvelle génération là, avec Atreus, fier de rien. Bon, par contre, s'il me faut un God of War sans Kratos, ça va être compliqué. Hein. Je sais que c'est la mode en ce moment de buter les héros des séries. J'avais peur d'ailleurs qu'il me bute Atreus ou Kratos. Oui. Allez Atreus. Allez. Merci de nous avoir sauvés. Allez. Je me suis dit que ce serait mieux aussi. J'écrivais la fin moi-même. C'est le moment, Atreus. Allez, on est tous avec toi, on te regarde tous. Tu n'as rien raconté à ton père, n'est-ce pas? À propos de quoi? Enfin, vision de géant. Je l'ai déjà vue. J'ai compris. Je sais au fond de moi que c'est ce que je dois faire, mais... Ce nom, par contre... Mais je ne sais pas comment le dire. Viens avec moi. J'aimerais te montrer quelque chose. Et toi aussi. Je ne veux pas m'immiscer. Il a compris, Kratos. Tu es concerné. Ça m'aurait un peu fait chier qu'il tue Kratos ou Atreus, ça aurait été un peu une facilité scénaristique, je trouve. Vraiment, ça aurait été trop... On le voyait à des kilomètres, quoi. Ça m'aurait un peu déçu. Atreus. Puis bon, faut le laisser tranquille, hein, Kratos, ça va. On lui a déjà enlevé une fille, une meuf, ça va. Deux meufs, pardon. Ça va, quoi. Alors, comment se termine l'histoire? Laissez-le tranquille, le pauvre gars, un peu, là. Avant le Ragnarok. Tu avais promis de la terminer si je m'endormais. Lorsque la mort arriva, elle demanda au vieil homme pourquoi il l'avait appelée. En la voyant ainsi devant lui, celui-ci reconsidéra sa demande. Après quelques instants, il demanda à la mort de l'aider à remettre les bûches sur son dos pour qu'il puisse reprendre son chemin. Il n'était pas prêt à mourir. Il voulait toujours les pierres gelées. Il y a beaucoup de fumée ici. Bon, par contre, la mort de Thor, je l'ai trouvée un peu expéditive, moi.
des morceaux du royaume ont été projetés dans les autres royaumes. Le fait qu'ils disparaissent comme ça en poussière, hop, on n'en parle plus. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai amené ici. Je m'attendais pas à une mort du niveau de celle de Baldur, mais vu que c'était pas le méchant principal, mais bon quand même. Je trouvais ça un peu rapide. Disparition Spider-Man-like. I don't feel so good, Mr. Stark. I don't feel so good. C'est vrai qu'il a perdu son frère, également, ouais. Deimos. Donc ça m'aurait un peu fait chier qu'on lui prenne aussi Atreus. Mère ? La fresque à Jotunheim. C'est elle qui l'a détruite. Elle voulait nous cacher notre destin. Elle nous a forcés à tracer notre propre voie. Elle s'est dressée contre son peuple. Notre peuple. Pour vous sauver. Oui, enfin, vous êtes des géants, vous êtes des géants. Faites 1m10, quoi. Elle ne s'ouvre pas toute. Je suis désolée. Père, je dois te parler de quelque chose. Je sais qu'il y a d'autres géants ailleurs. Et il faut que je les trouve. Je crois savoir où chercher, mais... c'est ma responsabilité. Je dois faire ça tout seul. Vous avez le plot du prochain God of War. Il le faut. Bien joué. Je ne saurais l'expliquer. Cela te fait-il peur ? Oui. Alors, c'est pourquoi tu dois le faire. Oh, la beubare quand même. Comme tu me l'as appris. Oui. Nous avons survécu aujourd'hui grâce à ton instinct. Qui croire ? Qui sont nos amis ? Moi aussi, hein, j'ai un petit peu fait le travail, hein. Enfin... fils, tu es prêt. Je me sens comme le support, c'est tout le monde dit GG à l'ADC, alors que c'est le support qui a tout fait. Souviens-toi, notre promesse. Loki s'en va. Atreus. Atreus demeure. Mais on vient de survivre au Ragnarok, au pire, rester un petit peu ensemble, et puis tu pars dans un mois, non ? Au pire. Ne vous quittez pas comme ça. Ça reste une belle fin. Ah, vraiment, l'évolution de la relation Kratos-Atreus, c'est... très cool. Et ouais, 14 ans, les hormones. Faire les meufs à son papa. Il a grandi, notre Atreus. Il a grandi. Faites-vous une petite raclette, au pire. On vient de survivre au Ragnarok. Détends-toi, mec.
Ouais, il y a plein de suites potentielles là. Atreus qui part de son côté. Peut-être un jeu sur lui. Mais au moins on pourra retrouver Kratos. Il n'est pas mort! Merci mon Dieu! Là, il y a plein de suites potentielles, là. C'est bien, enfin plein de suites potentielles. Deux chemins potentiels. Kratos chez Bouddha. Oh, la musique! Freya, nous devrions sans doute parler de Gunnar. Nous n'avons pas besoin d'en parler. Il nous faut seulement la trouver. Mais Odin l'a choisie. Ouais, du coup, on aura Freya pour le reste du jeu, quoi. Une déesse Van, ton amie. Gnar a prêté allégeance à Asgard il y a bien longtemps, et notre amitié a cessé peu après. Que s'est-il passé? J'ai fait un choix qu'elle n'a pas pu accepter. Pour le reste du contenu qu'on a raté ou qu'ils vont ajouter. Elle me hait. Elle nous posera problème. Nous ferions mieux de la trouver avant qu'elle ne... Bon, c'est ce dont ils parlent d'ailleurs, je pense, les personnages, là. Le contenu endgame, n'est-ce pas? L'après-ligue, si je puis dire. Et un de plus pour ce beau grand gaillard. Skål! Skål! Ouais, Skål. Le New Game Plus, exactement. Ah, y'a encore une force secrète à voir? Bah, je regarderai sur YouTube. Sauf si vous me parlez d'une fin qu'on... qui serait à la fin du générique ou une connerie du genre. Merci. Merci. Nous apporterons autant de provisions que possible, même si ça ne fera pas beaucoup. Ne vous en faites pas. Ceux qui seront aptes à le faire pourront sortir chercher d'autres provisions. Az et Van. Ensemble. Ouais, enfin, elle vient de perdre son mec, hein. T'es un peu rapide, toi, pour draguer, non? Calme-toi, hein. Ah ouais, ça prend 5 minutes? C'est où, alors? Il reste 40 minutes de stream. Général, Dame Freya, Mimi. On pourra dépasser un petit peu. Apparemment, c'est en 5 minutes. Bon, après, on connaît l'info de chat. As-tu retrouvé la traîtresse, Gunnar? Allez, allons voir la fin secrète. On m'a dit que c'était à Svartalfheim. Ah, le Ragnarok appartient au passé, mais il reste beaucoup à faire pour Kratos, Freya et Mimir. Explorez les royaumes restants pour découvrir les vestiges d'Asgard. Faites vos preuves dans le creuset. Non, ça, je m'en bats les couilles. Ça, j'en ai rien à foutre. Affronter les redoutables âmes de Berserker, je m'en fous aussi. Terminer les services pour vos amis et alliés, ça m'intéresse, je le ferai en off, je pense. Ah, pour information, tu peux aller pet the dog maintenant. Parfait, ça. Oui, effectivement, on a up de ouf Atreus, mais bon. C'est avec son propre XP, donc ça va, c'est pas non plus... Choisis, mon frère, nous te suivrons. Faites vos preuves, tu viens de battre Odin et Thor, c'est vrai ça? Que diable. Honda a également parlé d'un rassemblement en l'honneur de Brock, à la taverne de Raël. Ah, donc c'est ça. J'aimerais y assister. Faut aller au bar de Svartalfheim. Attends, j'ai vu quoi? J'ai vu quoi? Ah, je crois voir un truc bouger. Il devient fou le mec. Il a fini Pokémon et God of War, ça l'a rendu ouf. Mimir, je voulais te demander... Quand Ildis Vini m'a parlé de votre visite à Ravnagar... Ok. Ouais, bien écoutez, on aura fini God of War en mode difficile, finalement. Ça suffit, nous terminerons plus tard.
Finalement, on l'aura eu en mode difficile, le jeu. Il appartenait à Baldur. On aura fait les 5 premières heures en normal. Il a trouvé Atreus et tenté de s'enfuir avec lui. Nous avons combattu sur son dos. Il t'a tellement tourmenté. Mon monde préféré, Vanheim, sans hésiter. C'est lui le responsable. Donc on est d'accord, hein, la fin cachée, c'est bien celle à Svartalfheim. Bon, on va la faire. Il aura même pas dit au revoir à Sindri. Quelque chose te préoccupe. Qu'y a-t-il? L'épée de Freya. Je suis contente qu'il l'ait retrouvée. Odin l'a volée? Pas tout à fait. Elle ne pouvait être volée. Seulement offerte librement. Freyr l'avait fait forger quand il était jeune. Il avait imprégné de ses motivations, de un sa problème. Passion. Oh non, non, ce n'est rien, seulement. Je sais pas si t'es au courant, mais on va faire nos adieux à Brock, à Svartalfheim. Des funérailles? Oui. On a rendez-vous à la taverne de Raeb, à Nissavel. Nous y serons. Ok, c'est parti. Ok, let's go. Alors, allons à Svartalfheim. C'est dur à dire, hein, Svartalfheim. Alors, c'est où? C'est ici. Bon, on aura quand même perdu pas mal de monde là dans cette histoire. Freyr, Brock, Thor, Odin. Des drogueurs aussi. Ah! Je l'ai pas mis. Voilà, là c'est bon. Ah ouais, Heimdall aussi. Ouais, mais lui, je veux pas en parler. Je veux pas en parler de cet enfoiré là. Ce petit con. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir m'en souvenir. Une source de paperasse inépuisable. J'ai dû construire un coffre réservé à ces infractions. Et un grand. Je lui ai appris une vingtaine de techniques pour forger un burin à froid. Un jour, il m'a montré comment tresser un câble un peu plus facilement. Après ça, il m'a toujours désigné comme son apprenti. T'es vraiment un petit con. Par les dieux, ce qui va me manquer. Hé, vous arrivez juste à temps. On allait lui faire nos adieux. J'ai rencontré bien des gens au cours de mes voyages. Tu es l'un des rares que je pourrais appeler ami. Je t'ai toujours pris pour l'être le plus stupide qui soit. Qui aurait cru que tu serais aussi le plus courageux? Ce monde s'est assombri lorsque tu l'as quitté. On l'amène aux plages de Sverd, c'est dans les zones humides près du bac. On vous attendra là-bas. Ça y est, il a enfin dit que c'était son ami. C'est beau. Alors, où est-ce que c'est? Oh putain, oh putain. Oh la vache! Ah oui, d'accord. Va falloir aller là, hein. Oh putain. On va se TP, hein. Je pense qu'on va se TP. Alors, on va se TP. On va voir s'il n'y a pas un meilleur accès via un autre portail. Sinon, on va repasser par la maison de Sindri. Hein. Alors, voyons voir. Ouais, il y a un portail là-bas.
À la base, je voulais me TP à celui de l'est, de l'ouest, pardon. Et on va d'abord essayer celui-là. Oh merci les temps de chargement là, ils auraient arrêté de parler pendant dans ces phases-là. Alors, comment on va faire? Tiens, je t'avais oublié toi, tu vois. Alors, on peut passer par là, ouais. Ça m'a l'air pas dégueu. Qu'y a-t-il? Est-ce que si je fais du backseat sur la fin du jeu, est-ce que ça mérite un ban du coup? Oui. Un habit de deuil. Oui. Nous ne sommes pas vêtus convenablement. Ne t'en fais pas. On va le ban. Les nains se passent généralement d'habits de cérémonie pour les funérailles. Brock ne t'en voudrait pas. Peut-être. Tout de même. Je me demande à quoi en tout cas, content de pas m'être fait spoil la fin du jeu. Ou devrais-je tresser ma barbe d'or? Je m'attendais vraiment à ce que Kratos ou Atreus meurent. Heureusement. Merci, Mimi. Je me suis trompé. Et voilà, mon frère. Oh, allez, il va forcément venir. C'est son frère. Espérons. Le deuil, ça peut vous changer un homme. Vous êtes là. On peut commencer. Bah, n'attends pas. Sindri? Je l'aimais bien, moi, Brock. Il était drôle. Et là, coup de théâtre, il se réveille. En mode, non, les gars, je vous faisais une blague. Des gens qui trouvent les musiques de ce jeu à chien, on le rappelle. Sindri,
Ça aurait été trop drôle qu'elle rate sa flèche, Freya. Je me rappelle d'une scène comme ça, c'était dans Game of Thrones, je crois. Il y a un mec qui arrive pas à viser. Je crois bien que c'est dans Game of Thrones, ouais. Un mec qui arrive pas à viser le cadavre d'un gars sur un bateau. Intro. Quoi? Prochain méchant de God of War. Plus il grandit. C'est ce que j'ai dit, hein. Ah ouais, générique et tout. Ah oui, c'était vraiment ça, la vraie fin du jeu, quoi. Première fois que le jeu se coupe. Que le plan s'en va. Ah ouais, donc c'était vraiment ça, la vraie fin du jeu. Oh putain, dites-moi que c'est pas DMCA, hein, je vous en supplie, dites-moi que c'est pas DMCA. Comme la fin de Pokémon. Merci pour les GG, JJ. Tu peux presser rond, il n'y a rien après. Ouais, je vais... Alors habituellement, je ne skip pas le générique de fin, mais là, j'ai un doute sur la musique. J'ai un gros doute. J'ai un très gros doute. C'est dommage que la musique avait l'air stylée, mais... J'ai un doute. N'en veux pas, Sindri, il est juste... Enfin, tu sais. Con. J'ai écrit ce chant funèbre pour lui. Comment l'appelles-tu? Un nom vulgaire. Il n'en aurait pas voulu autrement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après la lumière, une vie après la mort, un au-delà, que sais-je. Mais si c'est le cas, je suis sûr qu'il s'emploie déjà à chambarder l'endroit. C'est beau tout ce que vous dites. On n'a plus aucune quête annexe ici. Oula, ou oh putain. Ah oui, il y a du contenu endgame quand même. Les derniers vestiges d'Asgard.